Ce bref tutoriel aura pour sujet l'application Multibrush sur Oculus Quest. Donc, quand j'ouvre mon casque, je dois aller dans les applications. Et en fait, celle qu'on cherche, c'est Multibrush, qui ressemble à ça ici. Donc, on va sélectionner Multibrush. Ça nous demande de choisir la limite. Donc, je vais confirmer ma limite. Quand vous êtes debout, vous pouvez tracer la limite autour de vous. Puisque je vais être assis pour la démo, c'est une limite stationnaire. Donc l'application s'ouvre et j'ai devant moi une manette dans laquelle j'ai beaucoup d'options et l'autre qui sert à choisir. Donc tout d'abord, pour faire une pièce dans laquelle vous allez travailler, il faut aller dans le mode multiplayer, create a room, on lui donne un nom, on peut l'appeler Or, c'est super original. Donc ici, on va déterminer est-ce qu'elle est publique ou elle est privée. Moi, je veux qu'elle soit privée. Je lui donne donc un mot de passe que je vais pouvoir donner à mes collègues quand ils vont vouloir se connecter. Donc, une fois que ça c'est fait, on a ici la palette de couleurs dans laquelle on peut aller choisir les couleurs et aussi on peut aller choisir l'intensité. On a même un color picker qu'on peut utiliser pour aller chercher les couleurs dans notre création. Vous avez aussi les différents pinceaux, si on veut, donc il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui ont des effets super intéressants. On peut faire du vent, ça peut être très drôle, dépendamment de l'ambiance qu'on veut créer. On a vraiment toutes sortes de textures, toutes sortes de types de peintures. Pour venir modifier la taille de mon médium, j'utilise la molette de ma main droite. Si je vais vers la droite avec la molette, ma taille devient très grande. Et si je vais vers la gauche, elle devient plus petite. Je peux venir modifier la taille des items que j'ai déjà dessinés en utilisant les boutons de chaque côté de la manette. Et là, vous voyez, ils sont en train d'être illuminés. Ça me permet de grossir ou rapetisser et même tourner. Et vous voyez, si on voit la grandeur, donc ici, on a une grande. Moi, je suis rendue un écureuil. Et là, je suis la grandeur d'un humain. Donc, vous pouvez voir en fait la grosseur réelle de votre objet. On a aussi différents outils. Donc, dans une des facettes, donc on a la facette couleur, la facette avec tous les différents pinceaux. On a aussi la facette des outils. Où est-ce qu'on a l'efface? Donc, on peut effacer ce qu'on a créé. Attention, ça efface le trait complet. Donc, si votre trait est très long, ça va l'effacer au complet. On a aussi l'effet miroir qu'on peut utiliser si vous voulez travailler en miroir. Donc, ça peut être intéressant, dépendamment de ce que vous voulez réaliser. Donc, vous voyez la ligne de mon miroir qui apparaît. Donc, si je dessine ici. Ça le fait en miroir. On va le tasser pour la... Oups! Bien la cause, je suis en train de plancher. On peut aussi travailler avec des lignes droites. Donc ici, cet outil-là sert à ça. Donc quand je viens de tracer ma ligne, on peut voir la longueur de la ligne. À chaque fois que je trace... Oups! Je vais changer ma couleur. Donc vous voyez, ça peut être intéressant. On va les effacer pour voir ce qu'on fait. On peut aussi se téléporter dans la création. Donc par exemple, je devrais aller très loin là-bas parce que mon collègue est en train de créer je sais pas quoi. Donc vous voyez, je suis rendue un peu loin de ma scène, je vais revenir. Et on a en bas ici des options par rapport à l'environnement. Donc on a l'environnement de la nuit, l'environnement classique où est-ce qu'on était. On peut même avoir un environnement qui est tout blanc, tout bleu. Donc, vous pouvez vous promener, voir les environnements qui sont les plus correspondants à ce que vous recherchez. Ensuite, pour la lumière, on peut venir sélectionner l'impact de la lumière. Là, je suis dans le tout bleu, mais si je m'en vais, par exemple, dans la nuit, et que je vais jouer avec mes lumières, vous pouvez voir... Non, c'est pas la nuit, ça va être... C'est standard, excusez-moi, on va la voir. Donc, vous pouvez voir... Le plancher change de teinte parce que je change le soleil de place. On peut acheter des lumières secondaires aussi pour avoir une ambiance plus rosée, une ambiance plus verdâtre. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec les teintes de lumière. Vous pouvez aussi ajouter du brouillard. Donc, si ça donne un bénéfice à votre immersion, ça peut être intéressant. On peut aussi choisir la ligne d'horizon par rapport à la lumière, elle est située où. Donc, ça peut vraiment être intéressant de jouer avec ça. On a un outil que j'aime beaucoup ici qui s'appelle Guide. Donc, ça nous permet d'avoir en fait un guide. Donc, vous voyez, je peux prendre
le bouton droit sur le côté de ma manette et le promener dans l'espace. Donc, admettons, je sais pas, je veux avoir une fleur ici et le centre de ma fleur est rond. Je pourrais utiliser le guide et vous remarquerez que mon pinceau, quand je vais peindre, va suivre la forme du guide. Donc, pour créer des formes, ça peut être super intéressant de venir travailler avec le guide. Ouais, j'ai débordé un peu. On va l'effacer. Donc, un petit truc comme ça qui peut être intéressant à utiliser. Donc, les guides qui sont juste ici. Et on peut les cacher ou les faire apparaître. Si vous en utilisez plusieurs ou si vous avez besoin seulement d'une partie, là, par exemple, je ferais ça ici. Et là, je vais le mettre en orange, tu sais, ça m'inspire. Mais je ne vais pas au complet l'utiliser. Je peux aller le cacher ici avec le toggle, la sphère disparaît. Donc, c'est quelques petits outils qui peuvent être intéressants à utiliser. Et puis, une fois que vous avez terminé votre création, dans le petit livre au bas complètement, vous avez accès à soit effacer le sketch au complet. Attention, ce n'est pas disponible si vous êtes dans une pièce à travailler à plusieurs. On peut enregistrer le sketch. Ça vous demande de faire une capture d'écran avec le trigger. Donc, on fait la capture d'écran. Et ça l'a ajouté au sketchbook. Donc, dans mon sketchbook, je vais avoir toutes les créations qui ont été faites dans, qui ont été enregistrées dans ce casque-là. Donc, quand vous enregistrez votre création, c'est vraiment important de l'enregistrer toujours dans le même casque. Comme ça, on ne se perdra pas à travers les différents casques et les différentes créations. Donc, toujours assurer, par exemple, que c'est la personne qui porte le casque 3 qui va enregistrer votre travail. En espérant que ce tutoriel vous sera utile, je vous souhaite une excellente création dans Multibrush.